Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, à côté nous venons parler de tout ce qui a fait actualité dans le monde football là, surtout Ronaldinho Gaúcho lui-même qui a fêté 40 ans aujourd'hui à la dans prison dans pays Paraguay. Nous allons tout comment ça est pour monsieur dans pays Paraguay et surtout nous allons venir avec toute nouvelle qui a brassé le monde football là en Espagne, en France et surtout mes amis en Italie, en Angleterre, etc. C'est une vidéo qui plein avec belles nouvelles dans le monde football là. Nous allons prendre tout comme ça pour plus de détails. J'en ai toujours fait juste avant de vous dire dans le détail, mes amis, et nous allons mettre trois commentaires qui étaient mis en bas vidéo hier sous football. Et nous allons commencer avec Dimitri Dumas, qui dit: moi, premier jour à Central, moi, à demander bon Dieu force avec un pile patience pour travailler ça va faire ma vie depuis Chili, que grâce bon Dieu couvre avec toute famille. Dimitri Dumas, merci en pile pour belle souhait ça, et surtout que grâce bon Dieu couvre pour tout y aller depuis Chili tout. Et ou même qui t'a aimé, premier monde qui est sur la vidéo avec Dimitri Dumas, c'est juste cliquer sur le bouton abonner et puis garder pour si vous avez une petite cloche qui paraît en l'air. Donc cliquez sur cette cloche là et puis mettez sur tout. Ou même tout qui est déjà abonné déjà, donc cliquez sur cette cloche là et puis mettez sur tout, comme ça vous recevrez la vidéo nous en premier. Nous continuons avec Lomin Ken qui dit: pour pas moi féliciter pour le travail ça va faire. Moi pas aimé Aubameyang même pour Barcelone. Je plus campé dans Lautaro Martinez plutôt Ferran Torres. Je t'ai remis jeune ça débarqué dans FC Barcelone. Lomin Ken, ça c'est opinion que vous partagez ensemble avec nous. Fanatique Barcelone, est-ce qu'on est d'accord avec Lomin Ken qui pas aimé Aubameyang mais il t'a poussé Ferran Torres avec Lautaro Martinez qui vient dans Barcelone? Si d'accord, mettez d'accord dans les commentaires. Si pas d'accord, tout mettez qui est ou t'a aimé une équipe FC Barcelone dans le marché estival qui a venu là. Et effectivement, dernier commentaire, nous recevons Jeff Motion lui-même qui dit: salut Poupa, je vraiment apprécié le travail que vous faites à base. Et si tout le moment là, c'est celle ou qui a fait sport, sans ou, je ne peux pas attendre bon gens sport, ça a un pile respect base. Je souhaite arriver 100 000 abonnés parce que ou vraiment travail pour sa base toujours été positif. Merci Jeff Motion, mais la prochaine fois mes amis, n'a pas écrit et commentaire, mettez pour mettre virgule ça pour faciliter pour capable lire message là. Et merci à pile pour bien commenter ça et surtout mes amis qui beaucoup fait ça, abonnez à la chaîne YouTube ça parce que Jean Jeff Motion dit là c'est seul nous même qui fait Jean a fait là. Donc si vous parlez perdu en rien dans ça passe dans mode sportif là, c'est abonner et puis activer cloche notification pour pas rater prochaine vidéo. Et surtout mes amis, partagez vidéo à sur Facebook, sur Instagram, sous WhatsApp, etc. pour aider le travail à arriver plus loin. Yo, je vous dis à 21 mars 1980, eh bien, légende, une légende de football là, c'est Ronaldinho Gaúcho, et eh bien, monsieur, il était fait. Et définitivement, je dis à, il a passé dans la prison Paraguay et pour usage de faux passeport, j'ai noté tout ça déjà, et nous te font une vidéo complètement sur ça, mes amis. Donc, regardez la vidéo ça jusqu'à la fin parce qu'on a mis dans end cards là. Mais définitivement, monsieur là, il est en prison dans le pays Paraguay, lui même avec Frélie, donc c'est pas pour compter, c'est ensemble avec Frélie, il était voyage dans le pays Paraguay. Donc, monsieur, il est en prison. Mais faut que nous, là, t'as arrêté, monsieur, donc, et policier a été profité, faut une photo avec moi-même, tout si je suis dans la place policière, je me après ça, je t'ai arrêté, monsieur. Et même dans la prison, prisonnier, pas suspendement des missions pour le faire autographe pour eux. Donc, même j'en avoir sous ta joindre avec Ronaldinho Gaúcho, n'importe quoi, t'as pour faire autographe pour eux. Mais définitivement, monsieur, joue football dans la prison, normalement, il remporte trophée. Donc, d'ailleurs, Ronaldinho, c'est le seul joueur qui fait ça, remporte trophée, même dans la prison. Mais définitivement, monsieur, t'es joué là pour et futsal, etc. Et qui futsal prison. Donc, il remporte trophée, tout bagaille. Mais définitivement, mes amis, la vie a pas si belle pour lui dans la prison. J'en ai regardé dans la photo, ça y est là. Donc, Ronaldinho qui a vécu, t'as quoi, un simple monde. Et faut que nous disons que monsieur, c'est vrai qu'ils sont simple monde, mais quand même, en 2015, c'était une fortune de 85 millions d'euros. Mais définitivement, Ronaldinho, même si son équipe est sourire, etc., qui a joué du football, lui. Mais quand même, Ronaldinho Gaúcho qui a passé un mauvais moment en prison. À la fois, nous disons que nous, par contre, pour qu'il est là, parce que dans le même dossier, ça, il a arrêté plus que 15 personnes déjà. Et les gens qui ont gagné le dossier, a fait des blanchiments d'argent, etc. Donc, Ronaldinho qui vraiment entré dans le dossier là, qui vraiment pas pour lui, qui pas supposé pour lui, parce que dans le pays Paraguay, il y a un Brésilien qui a juste voyagé avec 4 identifications nationales. Il n'a pas même besoin de passeport pour aller dans le pays Paraguay, mais mes amis, donc il vraiment prend un show là. Donc, nous, par contre, qui est là sorti. Mais quand même, nous avons souhaité joyeux anniversaire à Ronaldinho Gaúcho, une légende de football là, qui a fait un pile monde de football avec Bel Driblio. Donc, joyeux anniversaire Ronaldinho Gaúcho. Et surtout, nous souhaitons rapide vite pour sortir de la prison pour qu'il reprenne vie normalement dans le pays Brésil. Pourquoi pas à travers le monde pour continuer à faire mon sourire. Et surtout, pour partager des énergies positives pour faire mon oublier et tout mauvais moment ça ou même que vous faites fanatique ou subi pendant la carrière.
On quitte le seul Ronaldinho pour nous parler de ça qui a dominé l'actualité football là. Mais juste avant nous arriver, mes amis, est-ce que mettez un like en bas vidéo déjà? Si vous pouvez faire ça, qui sort attendre pour faire passer, c'est gratuit, mes amis. Mettez un like en bas vidéo, ça va vraiment faire nous content. Et si vous pouvez abonner avec chaîne YouTube là, qui sort attendre pour faire ça toujours. Donc cliquez sur le bouton en bas vidéo pour vous abonner et activer cloche notification parce que ça va vraiment encourager nous porter plus de vidéos pour vous, soit sur belle application avec votre téléphone ou bien sur actualité football là. Nous avons commencé en Italie avec Gazzetta dello Sport qui fait connaître que Dybala lui a déclaré qu'il a prêté dans la vieille dame et bien l'a prêté dans la Juventus de Turin. Là, nous connaissons que Higuain avec plusieurs autres joueurs déjà, donc il est déjà sur le marché du transfert et bien qu'il a transféré dans notre équipe pendant le marché estival là. Et bien pour Paolo Dybala, c'est totalement le contraire. Et bien il a prêté définitivement dans l'équipe et Juventus de Turin. Dans le pays de la France, Journal Le Parisien fait connaître que c'est une facture salée que Weport et Wallem n'ont pas coûté UEFA. Donc définitivement, si vous même pensez que Yannick repoussé ou pour 2021 pas coûter un rien à UEFA, mais définitivement, le Parisien fait connaître que c'est pour 1 milliard d'euros, mes amis, que ça va coûter UEFA parce que l'a repoussé jusqu'à 2021. Mais définitivement, donc nous avons dit coronavirus là qui coûtait UEFA 1 milliard d'euros jusqu'à maintenant pour seulement Euro 2021 que il a préparé. Et bien dans le pays d'Angleterre, nous avons Southgate même qui est entraîneur et anglais à la, donc il fait connaître tout le monde rete tranquille, rete safe, rete sain et sauf. Et bien nous même nous avons retourné en grand genre pour nous venir by football. Il fait connaître que Zaha lui-même, qui c'est Wilfried Zaha, et bien lui ouvre appartement là pour qu'il ait personnel santé dans le pays Angleterre, travaille normalement avec monde qui atteint le coronavirus, qui c'est vraiment un bel geste, mes amis. Et bien football là qui passe suspendre fait bel geste face à épidémie ça, face à pandémie ça, disons, qui c'est coronavirus. Et surtout nous connaissons les fanatiques même qui a souffri longtemps là, et bien définitivement, et sauf que fait qu'on est rete tranquille. Nous avons tourné normalement et pour nous capoter football pour nous. Et bien, mes amis, dans le pays, l'espoir commence à être journal Macali. Fait qu'on est que l'équipe n'a pas besoin d'un petit mini pré-temporada. Ça veut dire un petit mini préparation avant que vous repreniez le chemin et le terrain après la crise coronavirus. Ça a fini de passer. Il fait qu'on est que le FC Barcelone a préparé là pour capable baisser le salaire joueur après le coronavirus là parce que vous pouvez vendre moins de tickets pour aller dans le stade là. Et définitivement là, donc c'est pas une crise dans le monde football là, mais joueurs même qui pas gagner même salaire, c'est ça Journal Macali me fait connaître. Et Journal Macali puis nous pour faire connaître que Paris Saint-Germain il a gagné du temps avec Mbappé lui-même, joueur 21 ans ça qui t'a aimé rejoindre un plus grand championnat d'après décision lui-même il te prend. Et mais définitivement il a voulu monsieur Debola pour pas libérer le marché qui a venir là. Bon, on te parle du journal As, il fait qu'on essaie un ange qui a tombé, mais définitivement, j'en ai déjà dans le commencement de la vidéo. Et bien, Ronaldinho Gaucho lui-même, là, qui est en prison dans le pays Paraguay, et bien, en 2005, il était champion avec FC Barcelone, et définitivement, en 2015, il était gagné une fortune de 85 millions d'euros. Et bien, Kounia là, et nous avons dit, mélanger sous dette, il gagne dans le pays Brésil, mais définitivement, dans la prison dans le pays Paraguay, et nous, par contre, juste pour qu'il allait pas libérer. Et bien, monsieur là, depuis après qu'il ait fini de faire mes carrières football, mais définitivement, il n'est pas suspendu plongé dans le tout. Bon, côté par le journal Mundo Deportivo, il fait qu'on est que Messi lui-même il continue de travailler là, il a pour qu'il en bonne forme. Il fait qu'on est que pour Lautaro Martinez, et bien, Barcelone lui-même en 2018, il était voulu bailler 10 millions d'euros pour lui seulement. Et bien, été 2000, il était passé à côté, il était bailler 25 millions, il était jeune servi de joueur lui-même en provenance de River Plate dans le pays Argentine. Eh bien, nous avons dit tout que il a fait deux tentatives derrière, mais définitivement, après que Icardi était allé dans Paris Saint-Germain, donc le joueur a été déclaré intransférable par l'équipe de l'Inter de Milan. Et bien, mes amis, dans chaque match de transfert, nous connaissons Neymar toujours a fait un pile parler, un pile, mais définitivement, Journal Sport fait connaître que Neymar a dit oui à l'équipe FC Barcelone. Mais si définitivement là en Europe nous avons dit marché football là il commencé à sous école, mais Neymar lui-même là il a tout dit oui avec l'équipe FC Barcelone et fait qu'on est que crack là lui-même il a préparé toute bagaille pour entrer dans FIFA et pourquoi pas pour forcer sortir lui dans marché été qui a venu la marché estival là. Mais c'est un dossier qui va pour nous suivre de très près. Est-ce que définitivement Neymar va quitter Paris Saint-Germain pendant le marché estival là, là sont gros questions qu'on a posées. Mais chaque legs transfert, mais il y a toujours Barça toujours fait la une. Et bien journal a fait qu'on est que entourage Neymar étant dit Barcelone que Neymar lui-même voulait tourner dans l'équipe là. Il fait qu'on est que il craque là lui-même, il est prêt là pour forcer toute façon possible pour rejoindre le FC Barcelone selon Journal Sport. Dans le pays Portugal, mais journal aujourd'hui fait qu'on est que virus lui-même lui a privé jusqu'à salaire. Définitivement, il y a une pile équipe qui est obligé limoger un pile joueur là qui t'écoute vraiment cher. Mais est-ce que ça va arriver dans plusieurs équipes en Europe? C'est une grosse question qu'on a posée. Mais définitivement, mes amis, virus ça là qui vraiment va craser un pile marché économique.
est-ce que la patine football là tout? Donc c'est une grande question n'a pose. Bon côté pas nous c'était un plaisir pour te porter vidéo ça pour mes amis. Si c'était un plaisir pour tout, mettez un like en bas vidéo avant aller et si c'était un plaisir pour partager vidéo sur Facebook avec tous les amis sur WhatsApp etc. Et pas oublier mes amis support qu'on fait ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube là pour pas rater prochaine vidéo et activez cloche de notification pour recevoir la vidéo en premier. À la prochaine vidéo que vous avez, nous pas oublier mes amis football game pour le passé. Tout le bagage pour le passé dans nos capriter, préparez notre autorisation barque essentielle.